Bonjour, bonjour, bonjour l'Afrique. Bonjour les Africains. Bonjour les Guinéennes. Partout où que vous soyez à travers le monde. Je reviens à travers cette vidéo aujourd'hui, ce matin, pour continuer sur les droits des femmes africaines, précisément les femmes guinéennes. Je souligne un sujet qui est pratiqué en Guinée envers les femmes. Et quand je prends l'exemple, les femmes et les hommes sont tous égaux devant Dieu, car nous sommes tous nés libres et indépendants. Personne d'entre nous ne doit être rabaissé. Personne d'entre nous ne doit être sous le pied de l'autre, car l'homme et la femme sont deux êtres complémentaires. L'homme doit compléter la femme et la femme doit compléter l'homme pour mener une vie ensemble, une vie de famille. Mais chez moi en Guinée, ils disent que les femmes doivent être rabaissées. Ils pensent que les femmes doivent être sous le pied de l'homme. Tandis que si la femme est piétinée, la femme est utilisée et abandonnée, la femme n'a pas son respect, elle n'a pas sa considération dans son foyer, cette femme ne sera jamais soumise. Même si elle soit soumise, elle le fera à cause de la dépendante qu'elle a envers son mari. Parce que si la femme est dépendante de son mari, elle serait obligée d'accepter toutes sortes d'humiliations parce qu'elle n'a pas là où aller. Elle n'a pas quoi manger ou faire manger ses enfants. Raison pour laquelle, si vous voyez que les femmes guinéennes ou africaines sont soumises à toutes sortes de bêtises, ou sur toutes sortes d'humiliations, ou toutes sortes de manque de respect envers leur mari, c'est de fait que ces femmes-là sont dépendantes de leur mari. Sinon, chaque être humain, personne ne veut accepter d'être rabaissé. Il est temps qu'on change les choses. Il est temps qu'on comprenne que la femme n'est pas que femelle. La femme n'est pas là que pour le mariage seulement. La femme n'est pas là que à la cuisine seulement. La femme peut faire quelque chose aussi dans la société. Elle doit avoir son respect, sa considération, sa place dans la société. Parce que sans la femme, l'homme ne sera pas au complet. Et sans l'homme, la femme ne sera pas au complet. Il est temps qu'on se respecte, qu'on s'aime, qu'on s'entende, qu'on se donne les mains pour avancer notre continent. Je donne un autre exemple aussi. Par exemple, les femmes guinéennes, pas tout le monde, mais certains hommes guinéennes épousent les petites filles à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, ainsi de suite. Ils te font engrosser 2, 3, 4, 5 enfants, voire 6 enfants dans ce mariage. Le jour que tu rentres dans ce mariage, ça trouvera que tu es mineur, tu n'as pas l'âge même de te marier. Tu acceptes la pauvreté de ton homme, tu le complimentes, tu le respectes, tu le donnes ton cœur, tu le donnes ton temps, tu le donnes ta jeunesse, tu le donnes tout ce dont il a besoin et tu es là toujours à son service, matin, midi, soir, toi la femme. Après que tu aies 30 ans, toi la femme, avec beaucoup d'enfants, il te rabaisse, il te piétine. Il y a d'autres hommes même qui te disent que toi tu es vieille maintenant.
Tandis que l'homme là a oublié que c'est à travers ses services que tu es devenu vieille. C'est à travers ses services que ton corps a changé. Que tu es démodé aujourd'hui. Ou bien ton corps a tout changé. C'est à travers cet homme-là. Il est temps qu'on change ces mentalités-là. Parce que toi, homme, qui épouse ta femme à l'âge de jeunesse, tu le l'enseignes, tu le fais tout, elle est là à ton service. Après des années, tu la piétines, la femme de ta souffrance. Je te jure, tu ne seras pas le bout du tunnel, tu ne le verras pas. Parce que toute chose, il y a les péchés. Toute chose, il y a les péchés. Faut jamais accepter d'utiliser la femme et la piétiner après. Aujourd'hui, voilà mon message que je voulais passer. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Ensemble, unis et solidaires. Ensemble, l'amour, le pitié, le respect, la reconnaissance, nous vaincrons. Et notre continent sera béni et développé. Merci, c'était votre fille africaine. À la prochaine fois. Bonne journée à tous. Bye. Ciao, ciao.